Yo, nouvel épisode pour les abonnés et bienvenue pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre en pleine aventure. Vous êtes la bienvenue, cet épisode est pour tout le monde. Alors, donc on aurait pu faire comme d'hab, vous connaissez la chanson. Petit résumé donc pour... Ah bah tiens, bah c'est la meilleure, tiens. Je crois que le petit résumé, je vais m'asseoir dessus parce que je crois que j'ai pas pu sauvegarder, tiens. Ah, c'est super. Bon bah malheureusement on va devoir se retaper les courses pour pouvoir faire les couvertures hein, malheureusement. Oui à mon avis j'ai dû avoir à mon avis il n'y a peut-être pas de sauvegarde automatique après les couvertures. Ce qui me paraîtrait un peu étrange quand même parce que bon Alors, il est où lui déjà? Il est tout là-bas. Ok, ok. Une 50. Alors, est-ce qu'avec une 50, ça va être suffisant de passer par. Non, ok, d'accord. Bon. On va voir ce que ça donne en passant par là. Je crois que je suis passé par là pour l'épisode précédent. Bon bah du coup malheureusement on va faire une partie du dernier épisode hein, suite à une mauvaise manip de ma part. Donc on se retrouve avec ce SUV qui est franchement dégueulasse hein, je vais pas le cacher, j'ai vraiment fait des couleurs totalement qui sont dégueulasses. Voilà, les yeux qui sont sur le capot, la couleur rose à moitié pétasse. Avec un magnifique jaune qui se marie bien avec la voiture. Alors, bien se marier, c'est un gros mot, hein, parce que bon, la voiture est quand même bien dégueulasse, hein, néon violet, pour bien respecter les couleurs de la voiture. Hein. Ma foi, je pense que je sais pas si je mettrais des néons jaunes à la place quand même. Yahoo, ça serait un petit peu chelou, parce que bon, le mariage là. Oui, alors contrairement au jeu de base, oula, je fais de la merde. On voit qu'on a des deux petits néons qui se trouvent dans l'habitacle en fait. Alors, je peux sauvegarder ça. On se retrouve donc avec deux petits néons qui sont dans la voiture. J'avais remarqué ça dans le dernier épisode en faisant un petit peu de custom dans l'habitacle. Et je me disais que cette il y avait deux petits menus qui ne sont pas dans le jeu initial. Hein. Donc normalement qui sont dans le mode de Redux et donc on a pu placer deux néons à l'intérieur histoire de gratter. On n'a pas gagné grand chose en termes d'étoiles esthétiques mais bon c'est un petit plus qui n'est pas non plus négligeable. Alors bon de souvenir voilà on est quasiment à 3 étoiles hein. Quasiment 3 étoiles donc bon on n'est pas si mal que ça en fait. Il faudrait presque limite continuer à faire un petit peu de custom pour avoir une nouvelle épreuve de couverture ouais, donc, comme on le fait actuellement. D'ailleurs je me demande si on va pas le faire si on va pas le faire immédiatement après là plutôt que de faire tout de suite l'épreuve de drift histoire qu'on a le vu qu'on a le véhicule qu'on fasse de suite. Il y a un Street X là aussi là et des épreuves cachées là c'est ma j'en ai coup. Donc pour lui il fallait ouais. Si je dis pas de conneries, ouais, non, c'est bon. Si je dis pas de conneries, ouais, il va falloir faire un gauche-gauche. What? L'autre, il a paru comme ça, l'enfoiré.
Je ne l'ai pas vu venir. Hop, comme ça, on passe là-dedans. On repasse là sans toucher la voiture, bien évidemment. Normalement, si je me trompe pas, il faut sortir ici. 1 minute 20, allez, 1 minute 25 pour le faire. Normalement, c'est faisable. Toujours tout droit. Ah oui, il est resté bloqué devant sa voiture. Alors, là c'est le chemin. Donc on va essayer de faire un petit tout droit quand même. Ça va éviter le virage. Là c'est gauche qui fait pas le cheval. Oui, à gauche. Passer par là. Passer par là. Lui il avance pas. C'est par ici. Passer par là. Non, non, non. Je voulais à tout prix éviter ce terre-plein. Bah non, je trouve le moyen de me le prendre. Alors, de souvenir, on l'avait fait. Piloter. On avait fait un truc de ce genre-là, là, un plan bien dégueulasse. Autre caméra, ouais, on a fait cette caméra. Piloter la voiture. Piloter, ouais. Qu'est-ce que ça fait frimer? Ah ok, d'accord. Ouais bon, il n'y a pas spécialement d'amélioration, donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire piloter. Voilà, un truc bien énervé, qui est un petit peu dégueulasse, mais bon. Ça fera le taf. Voilà. Et hop, non. Nickel. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'on est proche d'un atelier? Alors oui, il y a un atelier qui est tout proche. Ou presque. Est-ce qu'il va falloir... ouais, il n'est pas spécialement proche, il va falloir faire les serpentins là-haut, là. De savoir si on a l'occasion de faire un... Ah mais ça va être chaud, j'ai que 3600 en argent. Ça va être chaud. Je regarde combien ce que j'ai exactement dans les... en mode esthétique. Parce que ça se trouve, il me reste pas... Je crois qu'il me reste pas forcément grand chose pour passer en 4 étoiles. Normalement, j'ai pas grand chose. Et vu que l'habitacle est vide à l'intérieur. Entrée. Donc purge les nitro, tous les deux. Amortisseur hydraulique. Alors. Ouais, je peux faire ça à la rigueur. Voilà, tac. Voilà. Voilà, j'ai le 4 étoiles. Est-ce que. Non. Ok. Bon, on n'a pas spécialement d'épreuve pour ces 4 étoiles. Bon, tant pis. Donc, on va se faire les autres épreuves, du coup. J'en ai vu deux qu'on va pouvoir se faire, à mon avis. Hein. Donc, sélection de la voiture, Toyota Supra, carte du nom. Alors, hop. Hop. Oula. Oula. Oui, démarrage difficile. Alors, on avait dit qu'il y avait une épreuve qui se trouve dans le coin, et c'est une épreuve de drift. A savoir que normalement, dans mes souvenirs, les épreuves qui ne sont pas marquées sur les cartes coûtent légèrement plus en termes d'argent. On va voir si c'est vrai. Donc là, il y a un drift. Ah, 850. Donc oui, ça coûte légèrement plus cher. Allez. Allez, on est parti. Hop.
ça va, toujours en tête. Ouais, bah si tu peux me faire gagner des points comme ça, c'est bien aussi. Merci, mec. Je te remercie. J'ai eu peur, j'ai cru que c'est lui qui avait 31 000. Pas si mal. Oh non! Je pensais que ça allait passer, mais non. Ouais, non, celui-là, par contre, retourne mon niveau 1. Enfin, multiplicateur 1. Ouais, il manque un petit peu de patate quand même. Hein. Allez, avance! Mais avec ta poubelle! Putain, ta vague de merde! Guignol! Putain, l'impression de me retrouver avec un casseau sans BMW, quoi. Oh là là, pas possible. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui veulent se faire remarquer. C'est pas possible. Alors, j'ai gagné quoi? Alors, j'ai gagné de la peinture pour pot d'échappement. Je pense que pour le pot d'échappement, on va éviter d'y toucher. Il est déjà très bien en jaune. Ah, ça c'est bien ça. Ah, j'aime bien. On a un CCU qui s'offre à nous. Ça, c'est bon. Alors, par contre, on va peut-être se faire le garage avant. Que je sais qu'il y a une épreuve cachée qui se trouve encore là-bas. On est passé devant avec le SUV. Donc à mon avis, celui-là aussi risque d'être assez simple. C'est du Street X normalement, si j'ai bien vu l'icône. Normalement, c'est quelque part là, non? Bah elle est où l'épreuve? Ah merde! Ah bah elle est où? Bon. Quoi ce délire? C'est censé être quelque part dans le coin, non? Elle était censée être dans le coin là. Ou alors elle est peut-être plusieurs là-bas alors. Et ça m'étonnerait parce que... Moi elle est... Ou alors elle est peut-être ici alors. Ah voilà, là voilà. Atelier performant. Hop, alors 850, c'est parti. Normalement, ça devrait passer tout seul. Ok, ça commence bien. Ah non!
Dans 2 secondes. Il est en train de me distancer là. Oh, c'est moche là, je suis en train de perdre. Oh, c'est mort. Je l'aurais pas. Il est parti, il est trop loin là. Non, c'est mort. Je l'aurais pas. Oh putain. Ouais, c'est mort, je l'aurais pas, il me distance de ouf. Même là, je perds énormément. Ah, ça m'énerve. Normalement, ça se fait, mais... Voilà, normalement. Et là, j'ai plus qu'à assurer. Faut juste que je fasse pas de conneries. Et ça passera. J'ai un petit peu la goutte sur le front là, je crois. Ça se passe pas trop mal après quand on est premier. Là, ça passe tout seul, voilà. Là maintenant c'est moi qui ai les 3 secondes. J'arrive même à coller 4 secondes quoi. Ouais, voilà. 5 secondes même. 5 secondes alors que c'est eux qui me distançaient. Ah voilà. Hop. Nickel. Alors est-ce qu'on a le temps? Ah oui, on a largement le temps de faire le CCU à mon avis. Hein. Allez, au pire des cas, ça fera un épisode à rallonge. Il est cadeau pour vous aujourd'hui. Ouais, en espérant que je me retape pas un circuit à 6 tours parce que bon là, par contre. La surprise de la dernière fois n'était pas forcément de bon goût. Non, non, non. Ah. J'ai cru que j'allais taper. Ok, c'est parti.
quelle sauce on va être mangé? Ouais, ça va. Pas spécialement de grandes difficultés pour le coup. Ouais, ça va. On va dire que j'ai connu pire. Même s'ils sont, ils sont un petit peu derrière, ça va. Il y a de la marge. Je me rappelle quand j'étais gosse, petite anecdote, hein. Ce virage-là, je me faisais pas chier à freiner, je léchais carrément le mur, histoire de gratter du temps. Et ça marchait, c'est ça le pire. C'était une petite manière de tricher. Mais c'était pas mal. Le temps où on s'en foutait de tricher. Bon, ça va, il n'y a que 4 tours à mon avis, on doit avoir 2 ou 3 circuits derrière. Seconde 80, ouais ça va, c'est pas dégueulasse. Non, ça, je regarde quand même à côté si j'ai pas de soucis quand même. Histoire que tout se passe bien pour vous. Allez, on est sur le dernier tour. On a quand même 3 bonnes secondes d'avance. On va éclater tout le micro là. On arrive quand même à voir les. Ouais, voilà. On a les 4 secondes. Allez, allez, hop. On a nos 4 secondes. Avec un peu de chance, on ira. Ah, il y a même 5 secondes. Ça, c'est pas mal. Course suivante. Allez, on enchaîne. Toujours sur l'aéroport. On va avoir une occasion pour les dépasser. À mon avis, dans la grande ligne droite, là-bas, on va pouvoir. Bah finalement ce sera bon.
quand ça va. On pourrait freiner même un petit peu plus tard dans ce virage. La grande ligne droite, histoire de récupérer des secondes. Oh, ils sont loin. Enfin, on voit même plus leur phare avant. Un poil trop tard. Troisième tour, toujours en tête. Je me demande si on peut atteindre le fond du compteur avec celle-là sur cette épreuve. On va essayer, tiens, juste pour le fun. Ouais, non. La piste elle est pas assez longue. Elle est pas assez longue, tant pis. J'aurais essayé. Et dernier tour pour cette épreuve. On tient le cap. Je pense à mon avis on va peut-être avoir une troisième épreuve de 4 tours juste après à mon avis. Hein. Il y a de fortes chances. Hein. Je pense qu'on a quand même 6 secondes d'avance. Hein. Ouais, 6 bonnes secondes. C'est ce point. Ah bah non, moi il n'a pas. On a gagné. Super, magnifique. Ah. Oula. Alors, déjà, on a récupéré une nouvelle voiture dans la concession. On a une nouvelle zone de Coal Harbor. Ok, et on a de nouveaux spoilers. Ah, nickel, c'est magnifique. Super course. Avec cette victoire, tu as rempli tes engagements envers notre partenaire. Tu es désormais libre de signer avec un autre sponsor. Alors continue comme ça. Ok, super. Ouh, et il y a plein d'épreuves qui se sont offertes à nous. Alors, ce qu'on va faire. Il nous reste combien de temps? On va pas tarder d'avoir une trentaine de minutes. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire une épreuve de drift qui se trouve juste sur Coal Harbor. Et on va faire une petite exploration ensuite. Donc du coup. Hop, toi tu viens avec moi. J'ai entendu dire que la route venait d'être dégagée. Eh ben on va faire ça tout de suite. On va faire une épreuve dans Coal Harbor. Oula, coup dur. Et on va sûrement se faire les petites boutiques qui sont dans les environs.
tout en sachant que on a toujours magazine gagné 6/20, total de réputation, ok, moyenne. Alors, ce qui m'énerve un petit peu, donc là déjà on a 4 shops dans le Collar Board. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on a 4 sur 5 au niveau du centre-ville. Et j'ai oublié un shop apparemment. Alors, je sais pas du tout où il est. Va falloir que je fasse une comparaison et que je regarde où il se trouve. A voir si je vais pas utiliser une map pour le trouver. Ah, déjà il y a un shop qui se trouve tout, devant nous là-bas. On a pu voir la lumière. Ouh, 1200 et... Oh là là. Ah oui, pas mal. Il est long ce circuit. J'espère qu'il n'a pas beaucoup de tours. Enfin ça va, 2 tours. Ça va, ça passe. Okay. Comment ça, il a 9000 le mec devant là? Ah mais obligé, il fait de la merde. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais, il fait de la merde. Il va falloir que je me méfie de celui-là quand même. Ouais, bon, en fait ouais, c'est un petit peu une brêle. C'est limite s'il ne fait pas ça par chance en fait. Il était pas si dégueu que ça ce drift quand même. Hein. Là depuis tout à l'heure j'ai le doigt juste levé au-dessus du frein à main. Là je tape juste un petit coup de frein à main. Et depuis tout à l'heure je ne fais aucun coup de frein à main. Là c'est vraiment total relâchement de gaz et réaccélération d'arrière. J'utilise même pas mon frein à main. Oula, là par contre je l'ai aidé, j'aime pas ça. J'ai entendu la violence de son choc dans mon casque, c'est magnifique. Et je pourrais mieux me dépêcher un petit peu parce que je crois que il y en a un, ouais, il y en a un qui a déjà atteint la ligne d'arrivée. Ça passe, je m'en fous, ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, oh le coup de flip. Oh là là. Oh, j'ai flippé ma race. Ah, un sponsor. Alors, donc comme d'hab, hein, c'est les courses imposées qui vont nous intéresser. Donc 3 courses de Street X, une course drift, un drag et un sprint. Là pour le coup, je vais peut-être signer. Alors, bonus de contrat, 5200. J'ai un petit peu plus avec celui-là.
Mais bon, j'avoue, je vais faire. Je vais peut-être. Je vais peut-être prioriser le fait de faire un petit peu de mixité parce que j'avoue, ça peut être intéressant. On va choisir celui-là. Nickel. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps? Allez, on va faire un petit, on va faire une petite extension sur ce circuit, enfin sur cet épisode, pardon. Alors, on a gagné, on va faire installer. Ah, on a du nitro niveau 2. Donc ça, c'est pas mal. Ah, je vois aussi qu'on a un CCU qui est apparu. Ok. Ah, c'est bien, on commence à avoir du contenu pour le prochain épisode. Ça, c'est bien. Hop. Viens par là, toi. Alors, on a débloqué de nouveaux spinners, des composants audio et la décode coffre. Voyons voir. Ah, par contre, on n'a pas encore débloqué ça. Ok. Super. Moitié dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Ça va finir par les suivre dans tous les cas. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On a encore trois ateliers à découvrir. Essayer par là, tiens. On va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais passer par là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vois pas de lumière. Ah, là-bas, il y en a une. Alors, on a déverrouillé de nouvelles peintures et de nouveaux vinyles. Toutes les pièces déverrouillées dans les îles d'atelier sont disponibles ici. Ok. Donc voilà. Il nous reste encore deux ateliers à découvrir. On va essayer de passer par là, voir ce qu'il y a là. On a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Ah, oh. Ah, on a déverrouillé des améliorations. Ah, c'est ça que c'est bon. Oh. Il y a du niveau 3. Il y a du niveau 3, les gars. Enlève cette suspension de série pour une qui s'agrippe à la route. Alors, on va pas faire ça tout de suite. Tout simplement parce qu'il va falloir. Ok. Ok, nickel. Donc on a déverrouillé d'autres améliorations de niveau 2. Et il nous manque encore un atelier. Je vais pouvoir être sûr. Où est-ce qu'il va pouvoir être? Parce qu'en fait, oui, je ne voulais pas faire les améliorations maintenant, car à mon avis, je pense que les réglages du tuning dino vont sauter. C'est principalement pour ça que je ne veux pas le faire dans l'immédiat. Hop, 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 coquin là, viens là. Viens par ici, toi. On va faire tous les deux. Alors, ok. Bon. Ici, tu peux dire adieu aux pièces de série et au lit de papa. Distingue-toi de la masse en modifiant 2-3 pièces par-ci par-là. Ok. Kit large. On n'a pas encore les kits larges. Bon, j'avoue, tant qu'on est là, j'ai. Oh non. Ok, bon, tant pis. On n'a pas de patator pour le moment. Donc, tant pis. Voilà, donc on a tout. Ah!
6 étoiles. Où est-ce que je vais les choper celle-là? Oh non, putain, 6 étoiles. Ah, ça va être la mort. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter maintenant. On va pas faire plus d'épreuves que ça. On va déjà s'occuper des épreuves imposées donc par le sponsor. Puis taper le CCU ensuite. Déjà, ça me paraît un bon programme pour le prochain épisode. Enfin, pas si mal pour pouvoir gagner un petit peu plus de pièces pour du coup le niveau 6 de la couverture. Donc à mon avis là on est plutôt bon. Alors, on a réussi à débloquer la nouvelle ville, on a encore beaucoup plus d'épreuves et ça nous fait du contenu pour les prochains épisodes. D'ici là, je vous retrouve pour les prochaines épreuves, donc dans le prochain épisode. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao.